Windows 10. Donc activation du thème sombre, foncé au niveau des réglages dans les paramètres. Voilà, quand vous allez dans les paramètres. Donc là, je suis dans les paramètres. Comme vous pouvez le voir, le fond d'écran est noir et non pas blanc. Donc, pour ce faire, hop, je vais retourner en arrière pour vous faire voir. Vous allez ici dans personnalisation, ici. Là déjà, image d'arrière-plan, vous pouvez déjà choisir. Voilà, couleur unie, machin, hop, voilà. Ensuite, couleur, ici, hop. On clique sur couleur, vous pouvez choisir la couleur, voilà, du menu démarrer, etc., etc. Voilà, donc vous choisissez ici, voilà, moi j'ai mis, voilà, un espèce de rose violet, voilà. Bon, après, chacun a ses goûts, hein. Donc vous avez ici des réglages, voilà. Effet de transparence, moi j'ai désactivé, voilà, parce que j'aime pas. Et le thème sombre, donc ici, choisir votre mode d'application par défaut, clair ou sombre. Donc si je mets clair, ça fait ça. Bon, j'aime pas trop, je trouve que ça fait un peu mal aux yeux. Voilà, surtout le soir, hein, quand on n'a pas de lunettes éventuellement pour regarder les écrans d'ordinateur, des fois ça fait un peu mal aux yeux. Donc quand vous faites ceci, voilà. Là tout de suite on voit la différence. Il y a moins de lumière dans les yeux et ça fait beaucoup moins mal. Voilà. Donc éventuellement, vous pouvez faire ceci. Donc cette vidéo, hein, c'est pas pour vous faire un cours sur les réglages et tout. Quoique je pourrais, mais bon, il y en a déjà suffisamment sur YouTube. C'est simplement pour vous faire voir éventuellement cette petite option qui est pas mal du tout, je trouve. Voilà. Donc vous allez dans les paramètres, hein, hop. Ici. Hop. Donc vous allez dans les paramètres. Et puis hop, vous allez ici sur personnalisation. Voilà.